של החללים, <recomforte> les שלהם התווספו ביצים, אתמול חללים נוספים, גיבורי ישראל, לב כולנו עם המשפחות, מתן מיר, יוסי הרשקוביץ, סרגי שמרקין, נתי הרוש, ומשה ידידיה לייטר, בנו בכורו של חברי הטוב, Qui est proche et quelqu'un qui était le directeur de mon cabinet, Ichia Leiter, que le Seigneur les réconforte. Je le dis d'ici à toutes les familles de nos êtres chers qui sont tombés dans cette guerre dure. Nous faisons notre possible pour être à la hauteur des victimes. À la hauteur de leur héroïsme, nous ne cesserons pas jusqu'à ce que nous terminions notre mission. Cette guerre contre le Hamas-Daesh se poursuit de toute force. Elle n'a qu'un seul but, vaincre. Il n'y a aucune possibilité autre que de les vaincre. Nous les vaincrons, nous vaincrons le Hamas et nous ferons revenir les otages. Nos forces ont coupé Gaza. Ils sont dans le cœur de la ville, ils sont dans l'hôpital de Shifa, ils ont abattu des milliers de terroristes, y compris de nombreux dirigeants et de nombreux terroristes qui ont participé à cette atrocité du 7 octobre. Le Hamas a perdu la main sur la bande de Gaza. Il n'y a plus d'endroit où il peut se cacher. Tout le Hamas est abattu promis à la mort. Nous les frappons sur terre et nos forces les frappent sous terre. Nous continuerons de toutes nos forces. Nous continuerons avec toutes les forces possibles jusqu'à la victoire. Nous sommes prêts aussi sur le front nord. Nous fonctionnons là-bas, sous euh, le feu, et nous sommes sur terre et dans les airs. J'ai averti le Hezbollah, ne faites pas cette erreur et d'ouvrir une guerre, car ce serait l'erreur de votre vie. Votre entrée en guerre mettra à bas l'avenir du Liban. Nous, nous luttons aussi sur d'autres fronts. Nous luttons aussi contre le terrorisme, contre ses émissaires. En Judée-Samarie, au Liban, dans la mer Rouge sur tous les fronts nécessaires. En ce qui concerne nos otages, j'entends beaucoup de rumeurs dans le monde entier, mais de sources non autorisées. Donc je veux dire à nouveau, le retour de nos otages est le but principal de notre guerre. C'est en tête de nos priorités et de mes camarades. Nous avons des discussions quotidienne dans le cabinet de guerre. Lorsque je rencontre les représentants des familles, avant-hier j'ai eu une nouvelle rencontre avec mon épouse aussi, nous avons rencontré les représentants des familles très très émotionnels, je vois la douleur dans leurs yeux, je vois le cauchemar et je leur dis, nous ferons tout pour les ramener. En ce qui concerne les otages, ma direction et la direction de notre cabinet est claire. Il n'y aura pas de cessez-le-feu sans le retour des otages. Je veux dire aussi que euh, l'existence de pourparlers internationaux se conduit sous la direction de M. Barnea, le directeur du Mossad de M. Nissan Alon et lorsque nous aurons quelque chose de concret à vous dire, nous le dirons d'abord aux familles et nous le ferons connaître aussi à l'ensemble du gouvernement. Jusque-là, il vaut mieux se taire. Aux dirigeants arabes, les dirigeants qui sont conscients de l'avenir de leur pays et de l'avenir du Moyen-Orient, je leur dis une chose, vous devez. Vous levez contre le Hamas. Au cours de 16 années de sa direction, le Hamas a apporté une, un désastre sur Gaza. On n'a que le sang, le sang et la pauvreté. Le Hamas fait partie intégrante de l'axe de la terreur sous la direction de l'Iran, l'axe de la terreur du mal qui met en danger le monde entier et le monde arabe également. Je suis certain que de nombreux dirigeants arabes le comprennent parfaitement. Nous continuons à travailler aussi sur le front international pour permettre à euh, nos soldats de pouvoir continuer à travailler. Nous voulions et nous avons eu le soutien des États-Unis. Je suis en contact quotidien avec le président Biden. Je le remercie de son soutien, qui a envoyé deux porte-avions avec la flotte nécessaire. Ils sont arrivés dans notre région. Et je veux dire aussi qu'il y a euh, un sous-marin qui est arrivé ici. Je voudrais remercier le gouvernement américain pour son soutien moral, le soutien moral du peuple américain. Dans mes interviews que j'accorde aux médias américains, je dis ce qui s'est passé, les atrocités qui ont été commises contre nous. Et je dis que tous les êtres libres dans les pays libres doivent soutenir Israël. Je parle de, de l'héroïsme de nos soldats. Je demande le retour de nos otages. Et je m'oppose totalement à tout cessez le feu avant le retour des otages. Et j'ai dit aux Américains Mobilisez-vous aussi pour euh, défaire le Hamas. Car vous êtes aussi leur cible et la plus grande partie du public américain nous soutient. Et soutient notre politique. Bien sûr, il y a d'autres voies et nous luttons contre ces voies-là. Je suis heureux que de nombreux dirigeants à travers le monde ont répondu à Israël. mon invitation de venir en Israël, de soutenir Israël. Leur soutien nous est indispensable. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dissension, ça arrive. Ça arrive aussi parce que dans la plupart des pays occidentaux, il y a des minorités qui font pression sur les dirigeants. Et je leur dis, ne résistez à ces pressions. Notre guerre est aussi votre guerre, et dans cette guerre, nous devons vaincre. Parce que, pour nous, nous devons vaincre, mais pour vous aussi. De toute façon, je voudrais faire passer ce message. Aucune pression internationale, Aucune, aucun appel à nos soldats ne euh, nous fera dévier de notre route, de notre devoir de nous défendre. En tant que. Euh, Chef du gouvernement israélien, je représente le seul pays juif, le seul pays du peuple juif, du peuple juif depuis, la première, depuis 3500 ans. Vous êtes notre peuple extraordinaire, vous êtes nos citoyens extraordinaires, juifs et non juifs, et nous représentons vraiment un héritage extraordinaire. Nous voulons nous tenir face à ce qui se dit. Et en ce qui concerne le jour d'après, ce jour arrivera après la destruction du Hamas. Il n'y aura plus de menaces venant de Gaza sur l'État d'Israël. Et pour nous assurer qu'il n'y aura plus de menaces, tout le temps qu'il faudra, Sahel continuera de tenir militairement le, la bande de Gaza pour éviter le, le, la terreur. Ce qui s'est passé le 7 octobre prouve suffisamment que chaque endroit où il n'y a pas de direction ou de présence militaire de l'armée israélienne, eh bien, c'est quelque chose de dangereux pour tout le monde. Donc, je n'accepterai pas de euh, ne pas avoir euh, les forces de défense sur cet endroit-là. Citoyens d'Israël, nous sommes tous unis aujourd'hui. Nous comprenons. Des choses fondamentales. Si nous voulons la paix, il faut détruire le Hamas. Si on veut la sécurité, il faut détruire le Hamas. Si on veut avoir un avenir pour l'État d'Israël, il faut détruire le Hamas. C'est ce que Israël se doit de faire et c'est ce que Israël fera. Nous lutterons ensemble et avec l'aide de Dieu, ensemble, nous vaincrons.